Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Le responsable, le directeur de BLTS, M. Pierre-Richard France. Au-delà, si vous me permettez le professeur, au-delà de cette initiative louable du Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme et la démocratie, nous avons comme responsabilité, nous avons comme obligation gouvernant, gouverner. Nous devons conjuguer nos efforts pour qu'enfin qu'on termine avec ce phénomène de kidnapping qui fait trop de douleur au sein de la famille haïtienne. Alors, au nom de directeur central, je remercie Saint-Lan pour le geste que l'il fait avec les patrouilles. Donc, comme nous dit déjà, donc il était en face des situations, hein, mais il n'a pas traité bois croisé. Donc, il était fait effort pour tenter de libérer Patrice de kidnapping. Là. Mais malheureusement, et bon, chance n'a pas été en faveur, ça n'a pas arrivé fait, et nous sommes arrivés perdus, il y a un policier. Yo. Et je crois que j'ai ça, l'a encouragé nous, et pour nous toujours continuer goumen, et pour nous essayer nous à. Et les pays en sortie dans ça que lié là. Et nous revenons en situation côté que, et c'est la première fois que nous vivons. Et parce que l'homme t'a pleuvé, c'est pas qu'on s'est. Mais moi, je dis, hein, nous revenons au carrefour qui est extrêmement difficile. Et qui m'a dit, et participation tout le monde. Parce que je me senti que et la police, licence pour contre lui. Il y a plus de monde qui t'a supposé accompagner, avec, aider. Et pour nous sortir du pays, il y a ça que nous y là. Mais malheureusement, je me sens que y aurait été bois croisé. Il y a gardé et il y a demandé pour la police en faire effort. Donc, effort, il n'est pas capable de faire sans que je ne gagne pas coûte mes paroles, coûte mes paroles. Je pense que ensemble, si nous tous nous mettons mais ensemble, n'a pas arrivé à sortir. Il n'est pas difficile, il n'est pas impossible pour nous sortir, nous capables de sortir. Mais il demande des participations, nous chaque qui l'a. Et tout le monde n'est pas allé. En pile aller, en pile qui utile pour paysan obligé quitter aller dans pays étranger et c'est pas facile, c'est pas vivre à vivre bien dans pays étranger. Hein. Donc il est obligé à côté situation. Hein. Je pense que nous devons mettre main pour nous et faire pays à retourner prendre rail pour que tout haïtien capable vivre et puis tout pour étranger en ouais pays en autre façon. Merci encore avec Saint-Lan et m'encouragez nous, Kebela, et poté collé pour nous essayer de sortir dans le trou que nous y est là. Nous prenons la RIA pour nous exiger pour payer 1500 gouttes à tout accompagnement social. Parce que nous parlons à l'État. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas ajusté le salaire minimum. Dans le code de l'article 137, il dit que chaque temps, pour l'inflation monter à 10%, il faut tout ajuster le salaire minimum. Ça fait 3 ans, l'État n'a pas ajusté le salaire minimum. Nous avons écrit le gouvernement de facto. Nous disons pour l'ajuster le salaire minimum, non, 1500 gouttes. Parce que nous ne sommes pas capables encore avec 500 gouttes. Nous partons de la raison. Nous faisons plusieurs rencontres avec elle. Nous partons de la raison. Nous pas venu avec une solution pour nous. Okay? Nous avons rencontré avec le ministre Odé, le ministre des Affaires sociales. Nous avons pas 250 gouttes. Côté que nous ne pas accepter. Quand il y a là, il descend à l'IBA 685 gouttes. Côté que nous rejetons. Et le conseil CSS, nous devons faire une recommandation pour nous. Bon, tout dit nous ça. Le conseil ça, il est créé depuis 2019. Il n'a pas de mandat. Il est créé depuis 2019. Si nous avons des ministres de facto, il faut faire des bagages directs parce que le conseil CSS, nous ne pouvons pas reconnaître. Pendant que il n'a pas gagné et représentant ouvrier là-dedans. C'est notre petit ça que nous écrivons une lettre.
dit son bagage pour faire direct pour ajuster ça le minimum non qui 1500 gouttes ensemble avec accompagnement social. Nous même en tant que ouvriers, en tant que ouvrières, nous même en tant que agents sécurité, nous croyons que jodi a bataille bien-être là, c'est bataille pour mosso manger. Même pour mosso manger là, nous pas arriver joindre. Et c'est sous base ça nous dit que avec 685 gouttes gouvernement proposé là, ça veut dire l'état prend 22% là-dedans. Nous était 414 gouttes. 414 gouttes là. Il y a des gens qui habitent Pétionville pour venir son appui, ils paient 120 gouttes pour aller pour le tourner. Ça qui est dans le menu, ils ne peuvent pas payer les cailles, ils ne peuvent pas nous manger, ils ne peuvent pas avoir nous petits pour l'école. Si nous ne pouvons pas prendre soin, et nous n'avons pas de droit pour manger la caille. Nous condamnons à manger pain à mamba de l'eau sucrée, du riz blanche. Nous condamnons à manger spaghetti avec un sort sous base ça. Comme c'est nous-mêmes seulement qui avons défendu la tête, nous, comme c'est nous-mêmes seulement qui avons mis en place, nous prenons la rue. Mesdames, population, pour comprendre, machine, c'est fatra, nous ramasser, nous allons faire politique. C'est fatra, nous ramasser dans l'arrière, propter. Et ce moment, plaît aux machines pour protéger les machines. Parce que à la minute que Méridel m'a retiré Fatra, et bien le moment ça pour nous craser vite machine, nous brûler les machines Méria. C'est Fatra qui a retiré nous-mêmes Delma, c'est Fatra qui a retiré et propre n'a propre. Et ce moment, et ça fait nous demander tout le monde pour solidarité. Les machines Méridel dans l'arrière pour protéger les machines, pour retirer Fatra. Parce que c'est nous-mêmes dans la commune qui a retiré Fatra dans la commune. Les manifestants sont venus. Je tire sur la machine, je plate la route. Je demande pour protéger la machine. Okay? C'est Fatra qui a retiré, c'est propre qui a fait pour eux. Fatra n'est pas bon dans le pays. Si nous avons retiré Fatra, nous considérons pour nous retirer Fatra dans le pays, il faut que nous même protéger la machine, protéger l'emploi. Nous avons un premier ministre qui croit dans l'existence institution républicaine. En peu de temps, monsieur prend fonction. Il fait tout ça qu'on a pour que nous te mettions CSPJ en fonction. Et comme de fait, il est en fonction, malgré l'inconvénient que nous te gagnons, mais quand même, il existe et il est en fonction. Nous reconnaissons que pas gagné une œuvre humaine qui est tout à fait parfaite, donc il y a une imperfection, il y a une lacune. Ce n'est pas de imperfection et de lacune voulue. Mais nous avons fait tout ça nous connaît pour progressivement, avec le gouvernement et avec tout le monde, surtout la société civile, pour que nous remédier à la situation. Tout le monde critiquait le ministre de la Justice de ce qu'il a adressé en correspondance avec des noms et lui demandait CSPJ pour qu'il choisisse trois noms là-dedans. Nous avons société à connaître. CSPJ a gagné responsabilité pour que lui proposer des juges et non choisir des juges. Comme nous-mêmes, nous avons volonté de vivre ensemble, nous voulons créer, moi te proposé à CSPJ des noms, moi te dit qu'il qu'a choisi trois là-dedans. Maintenant, même idée et perfection, proposition nan capable ti imparfaite CSPJ dis moi mais qui gens pour que moi ta capable procéder c'est vrai pas conforme sacramentel pour nommer juge à la cour de cassation moi même comme ministre justice me pas frapper l'estomac moi rentrer dans ministère là avec ensemble conseiller que moi gagné Jean la loi mandel moi fait appel à candidature parce que premier ministre t'a dit li pa vle pour ces juges république Port-au-Prince qui viennent dans cour de cassation li vle ces juges qui sorti dans cinq juridictions cour d'appel yo et sans nous pas oublier mettre en application la loi du 22 août 1995 qui ça loi 22 août 1995 l'an dit. M'appelle pour nous son décret qui te prend pour faciliter fonctionnement système judiciaire. Dans l'article 15.a, pour venir juge dans la cour de cassation, faut au moins ou te juge à la cour d'appel pendant 7 ans ou bien ou son officier dans la cour d'appel
officiers parcutiers, ça nous les parcutiers, les officiers qui prennent la parole debout, on les appelle communément commissaires du gouvernement. Point 2 en jour, faut que tu as exercé la profession d'avocat pendant 10 ans au moins. C'est ça que fait. Je dis là, bon, l'autre appel à candidature qui fait pour les avocats de carrière, pour être capable de venir participer dans la formation cour de cassation. Nous avons besoin pour nous combler cour de cassation. Parce que moi, je voulais nous connaître. Premier ministre a une volonté pour faire élection. Maintenant, comprendre tout. S'il vient avec quantité juge, cour de cassation, nous reformer cour de cassation, à ce moment, nous allons prendre membre du conseil électoral qui allons prêter serment devant cour de cassation. Pendant que nous avons là, ou disons notre parole, qui j'en juge ça y est pour aller prêter serment? Eh bien, dans toute société civilisée, nous faisons consensus. Consensus là, là, la vini et n'a pas une solution. À chaque fois nous discuter, il pas sorti avec des ennemis, mais il sorti avec des amis. On peut avoir des idées divergentes, mais on trouve une solution proportionnelle par rapport à une situation exceptionnelle. Peuple haïtien, gouvernement pas quoi dans publicité parce que nous pas pas l'entrer dans logique pour nous dire que c'est ça nous fait pi bon parce que nous-mêmes nous pas gain parti politique. Son consensus qui mettait nous toutes là, si on bagay qui pas marché, n'a toujours chita. Tant que Jean Premier ministre en fait là, li marché joine tout le monde, même ça qui t'apparaît plus récalcitrant, là le joine. Gouvernement pas insensible avec lui. C'est question insécurité. Nous faisons tout effort nous pour nous améliorer la situation. Mais nous connaissons tout. Bandit, pas gagné pour le perdu. Mais nous-mêmes, comme petit peuple, petit l'État, même Jean Bandit, c'est petit peuple, c'est petit l'État, nous-mêmes, nous obligés de préparer nos gens. Nous faisons pile prévention. Il y a deux choses que nous pas gagné. Gain de bagaille tout ne pas qu'à expliquer à la population. Hein. Nous pas rendre tout le monde responsable de ça n'a vu aujourd'hui. Hein. Mais si on t'avait dit c'est nous-mêmes qui fait paraître qui responsable d'où nous c'est monde qui a sens de responsabilité, n'a prend responsabilité mais n'a vu la solution avec elle. N'a vu avec solution, nous pas voulu à tuer innocent pour demain matin on dit que nous t'es criminel. Nous pas voulu mettre dans situation pour nous agir. Sans ne pas assentiment, pas une volonté population pour yo juger nous mal. Mais comme je dis là, le monde fait un seul. Dans un temps qu'a venir premier ministre en consultation avec tout le monde. Premier ministre gien pour le déplacer pour aller joindre zanmi nous yo dans Caraïbes là. Tant qu'ou gien zanmi nous dans international là qui conscient de problème là pour joindre une solution côté tout le monde. Plus ou moins d'accord avec nous et nous pas besoin de monde qui est d'accord parce que il y a des gens qui parlent parce que pour faire qu'on ait existé comme ça tout gens qui parlent pour porter solution premier ministre nous ca veut aller doucement mais chaque ça porter comme solution c'est pas seulement de lui-même il sorti de nous toutes et c'est ça qui porter calme ça en dans société et pour question sécurité question martissant question ça n'a fait sous quoi des bouquets. Au nom du gouvernement, travail là a fait pour que solution vienne d'une façon pour tout le monde accepter. La Direction générale des impôts, en date du 16 février 2022, fait sortir un avis pour informer le public là, en général et en particulier contribuables de l'existence et de la circulation de fausses autorisations de teinte. Alors, permettez-moi accentuer sur ça. C'est que gagner de fausses autorisations de teinte qui a circulé dans la rue. Alors, nous alerter contribuables, nous informer la direction centrale de la police
routière à ce sujet pour qu'ils prennent les mesures que de droit envers et contre les personnes et contrefait de fausses autorisations de teinte de véhicule. Alors, permettez-moi de rappeler pour le public là, et en général et en particulier pour Contribuable, que depuis publication du mémorandum du gouvernement en date du 3 mars 2021, qui était suspend application droit de teinte lent, la Direction générale des impôts depuis lors n'y pas fait ni perception de droit de teinte ni livré une autorisation de teinte généralement quelconque. Dans ce sens, DGI a exhorté contribuables à la vigilance pour que il n'y a pas fait ou abusé par des individus mal intentionnés qui gagnent seulement pour objectif faire combat avec eux. En attendant un nouvel ordre, c'est-à-dire en attendant une nouvelle disposition, de nouvelles instructions de la part du gouvernement et en particulier de notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, qui actuellement a travaillé sous éventualité pour que vous retourniez à l'application droit de teinte lent. Pour l'instant, la Direction générale des impôts n'a pas rappelé public là, il n'a pas fait ni perception de droit de teinte, ni délivrer autorisation de teinte. Pour ceux qui ont une autorisation de teinte véhicule qui datait 2022 ou encore 2022 jusqu'à 2023, est-ce que ça va venir sur fausse autorisation ça veut dire? Écoute, la Direction générale des impôts, c'est une administration fiscale. Mission fondamentale, c'est appliquer les lois fiscales, les dispositions contenues dans les lois fiscales. OK? Donc, la Direction générale des impôts, c'est une instance d'application. Maintenant, si pas gagne une nouvelle disposition de loi ou une décision de la part de notre ministère de tutelle, qui dans le cas ça, qui c'est le ministère de l'économie et des finances, on n'a pas qu'à faire autrement. OK? C'est pourquoi au début, nous t'ai dit. Donc, n'attend un nouvel ordre de la part du ministère en ce qui concerne la perception du droit de teinte et la livraison de autorisation de teinte. On va dire que si me basé sur les derniers chiffres que statistiques des recettes, eh bien, la recette est au top en termes de performance, si on peut utiliser le terme ça. Parce que déjà, au terme des 5 premiers mois de l'exercice, moi je voulais parler de 1er octobre à date, ok, jusqu'au 21 février, DGI a déjà collecté plus que 24 milliards de gouttes pour une prévision qui est autour de 23,8 milliards de gouttes pour les 5 premiers mois de l'exercice. Donc, son prévision nous mettant déjà battre à plate couture, c'est-à-dire que nous déjà largement dépassé. OK? Maintenant, rien que pour le mois de février, nous déjà réalisé plus que 5 milliards de gouttes par rapport à 4,8 milliards de gouttes prévu comme objectif de collecte. Et si toutes les choses allaient dans le sens disposition que la Direction générale la prend, il est possible que nous arrivions à
à 6 milliards de gouttes, rien que pour le mois de février. Et oui, c'est qui n'est pas tombé du ciel. OK? Donc, et oui, c'est ça, il y aura à mettre sur le compte des dispositions que, et des mesures que la direction générale lui-même a mettées en œuvre depuis le début de l'exercice. Et mesures, ça n'a aucun rapport. En fait, c'est des mesures et en termes administratifs, okay, et aussi en termes fiscaux. Mesures, ça a concerné la gestion de l'impôt, notamment le respect des dispositions, des règles de la législation fiscale, le renforcement du contrôle fiscal, ok, et bien d'autres mesures encore. Mais nous faisons constater avec Dieu nous, pour nous voir ce qui a passé. Qui est-ce que mon gagné? Mon gagné son air protégé. Mon gagné c'est un espace côté que l'État a gagné. C'est une couverture végétale que vous avez, qui a différentes espèces là-dedans, qui ont biodiversité là-dedans, qui ont richesse là-dedans, qui sont un patrimoine environnemental. Côté où tu comprends que vous avez un pile de monde là, qui est en air métropolitaine, vous respirez bien, vous avez la vie sous le protégé, vous vivez mieux, vous avez un air qui est moins pollué, vous respirez plus bien, c'est grâce avec l'espace ça. Qui était vraiment étouffé, qui était gagné pied bois, qui était gagné vraiment en question de reboisement là-dedans, qui était gagné en question de forestation là-dedans. Gagné loi qui sortit pour ça, déclaré l'utilité publique. T'es une mobilisation en termes de surveillance environnementale qui prend depuis l'année 2013-2014. Et de temps que nous gagnons, certaines fois pour nous comprendre les conséquences actions que nous avons faites. Parce que l'île a le temps pour nous changer de paradigme. L'île a le temps. Pour nous faire jeunesse entendre l'autre bagaille, pour nous diriger jeunesse là vers un autre bagaille, diriger l'opinion vers des bagailles vraiment d'importance. Politique bah la vie, moi comprendre. Mais la bonne politique, c'est ça qui a ban nous deux questions environnementales, l'autre question qui primordiale yo. Là nous comprendre quelques années après, mes constructions qu'a fait n'a gardé là la monde gagné. Un, moi dis que c'est un côté déclaré d'utilité publique. Deux, son air protégé, un espace réservé. Mais de qui manière moi pour vous connait que en peu de temps construction ça au fait nous pas venir pour nous chasser personne monde qui construit, nous venir pour nous engager l'État, nous venir pour l'État discuter avec eux pour vraiment nous commencer définir droit yo, définir priorité yo. Qui est-ce qui a droit, qui est-ce qui a raison et comment que nous ca concilier différents enjeux qui gain, enjeux environnementaux, enjeux économiques, enjeux sociaux yo. Mais tout simplement tout nous venir dire halte là. Nous venons dire que l'environnement n'a pas qu'à dégrader davantage. Nous venons dire que la construction n'a pas qu'à continuer à faire de manière anarchique encore. Ça veut dire qu'il faut que l'hémorragie en campé. Pour l'hémorragie en campé, ce n'est pas ZAM, ce n'est pas Goumen qui pourra le faire. Parce que, expérience, nous sommes passagers, la question du droit de l'environnement, il va porter philosophique d'abord. Il doit rentrer dans la conscience. Il doit sentir son citoyen éco pour changer le comportement. Là, nous venons faire appel à tout le monde qui voulait construire. Gon façon pour construire, gon côté pour construire, gon gens pour construire, ou pas cap dégrader l'environnement et ou pas cap hypothéquer avenir monde. Là nous fait constat dans même espace ça gen un paquet édifice, gon paquet construction qui fait yo belle, yo important, même manger la vie plus bon, plus important. J'en moins dire, nous pas une charge personne monde. Nous vienne faire sensibiliser ou faire comprendre et comme l'État, comme autorité, n'a obligé camper construction anarchique yo. Construction anarchique, ce n'est pas une question de tikaï, tito di, tibaï seulement. Non. Construction anarchique, c'est tout droit que vous n'avez pas pour construire. Tout kodo pas de construire ou construire. Alors nous là, nous demandons tout le monde, on met ensemble pour nous construire le pays. On met ensemble pour nous capables de chaque génération future qui venir, une capacité pour nous offrir un meilleur cadre de vie. Peuple, en de la boule 12, dans une petite place, à vivre, il y a une situation qui est vraiment dégradante. Et nous tous ouais nous tous constatons si nous voyons les yeux nous là, nous voyons comment nous avons vécu une situation qui est vraiment difficile. Nous même dans la zone en tant que jeunes, et comme au comité, nous campons pour travailler, actif avec nous, pour nous voir comment nous sommes capables de protéger l'environnement nous, et puis qui solution qui nous apporter tout avec côté qui a dégradé. En gros, nous comptons pour présence l'État qui l'a, et nous espérer
sous concours l'État aussi vite que le vent parce que dans... Le CEP est une institution indépendante qu'il a depuis plus de 30 ans. C'est une institution permanente, ma prévité. Le CEP, son institution permanente, qui gagnait employé là-dedans, il y a près de 30 ans ici. Malgré ces employés qui gagnent 30 ans, ce sont des contractuels, mais c'est des mondes que le contrat renouvelé chaque année. Et moi, parler à des mondes qui disent comment ça fait, mais c'est une vérité. Dans tout personnel, nous gagnons. Nous avons entre 6 à 7 personnes seulement qui sont fonctionnaires. Et nous avons là-dedans pas même un chef de service. C'est de petits personnels. Ça veut dire que nous avons l'ensemble des directeurs, l'ensemble des cadres, l'ensemble des techniciens du Conseil électoral provisoire, ce sont des contractuels. Je viens de vous dire, depuis le mois d'octobre, nous avons un contrat à la main au malgré le travail. Depuis le mois d'octobre, le monde sera touché. Et moi-même, personnellement, je suis un grand pile remous, mon cas de venir par l'empile, etc. Parce que nous avons des employés qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Pendant la crise gaz là, c'est nous-mêmes qui faisons ça, nous capables, pour nous chercher gaz là, peut-être jusqu'au délire, prendre route bois avec les vinavelles. Pour au moins nous faire une heure de temps, deux heures de temps de fonctionnement. Je vous dis, il est prêt pour camper à cause de situations difficiles que nous-mêmes nous avons confrontées. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. Pour nous dire tout le monde, qui attendait que le conseil électoral, lui-même, est toujours là, doit fonctionner. Je dis, il y a des données que nous avons traitées pendant que nous avons parlé là, il y a des données qui nous données que nous avons de l'ONU. Gagnez dans CTV, soit les cunyaux de monde qui travaillent sur la plateforme qu'on a créée pour capable permettre nous prêts, n'importe là, que nous demandons nous faire élection. Nous avons notre plateforme qu'on a créée pour nous gérer candidats, pour n'importe où nous pour nous capables de faire élection. Cela veut dire que nous toujours en permanence. Et la direction des affaires juridiques, nous avons dit à nous qui a brûlé nous, qui a mis nous dehors déjà d'ailleurs. Il faut le dire, ils mettent nous dehors déjà. Une l'un côté, nous avons un cas, ils mettent nous dehors, il y a le tribunal, ils font jugement contre nous. Parce que nous n'avons pas payé. C'est la situation ça que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça que fait, nous avons décidé, font-ils parler avec nous, et pour qu'on va permettre. Qui ça que nous fait? Nous faisons toutes les démarches pour nous faire. Nous avons rencontré l'exécutif, et nous parlons de la situation que nous avons, nous parlons à tout le monde. Et l'encadre est monté au conseil électoral et c'était moyen qui est plus facile pour ordonner des dépenses pour CEP, c'est le président ou la présidente. Alors on espérait que nous avons gagné un président, une présidente et nous espérons. Mais je vous dis, face avec menace, nous gagnons non seulement de la part des fournisseurs, face avec pression, nous gagnons de la part même des employés, parce qu'ils ont une situation extrêmement difficile, nous dit en effet, nous t'y balayons.